Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va, voilà. J'ai bien travaillé, je suis contente de moi. Comme on a la compagnie créole qui doit parler demain, on va regarder, d'accord, ce qu'ils vont nous dire. Alors, bon, je suis dans ma salle à manger, hein, voilà. Comme je suis toute seule, je peux occuper les lieux, voilà. J'espère que vous allez voir. Voilà, il y a déjà oh, des cartes qui tombent, voilà. Alors, on a le nettoyage, le nouveau départ et la volonté, d'accord? Avec l'affection, la romance, le cadeau. Bon, moi, je pense que vous savez, d'accord? L'armée est là pour faire un nettoyage, d'accord? Et ça va être notre cadeau. Ils vont nous faire ça avec amour et tout ça. D'accord? Voilà. Alors, on va mélanger et on va faire comme d'habitude. Vous voyez? Regardez, ils sont là pour nous protéger et nous mettre en sécurité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire demain, le gouvernement? Alors, on ne dit pas, je crois qu'apparemment, c'est Pinocchio qui doit parler, mais bon, comme on n'est jamais sûr de rien, hein, on va dire le gouvernement, au moins c'est mieux. Voilà. Alors, on va faire le présent, d'accord? Les conseils et le futur proche. Bon, le futur proche, hein, demain, c'est le futur proche. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Gouvernement demain. Alors, je ne sais pas trop si vous voyez bien, je suis désolée. Alors, ça, les conseils. Et alors, le futur. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Gouvernement. Hop, alors voilà. Bon, je suis désolée, hein. Pour tirer les cartes, il faut se concentrer, hein. Alors, on a la rivière, l'orientation, aventure et impatience. C'est vrai qu'on est impatient de connaître toutes les vérités, d'accord? Et on est impatient aussi que cette aventure, hein, que voilà, s'arrête. On a ma bombe. Automne, mort, sommeil. On a le phénix. Renaissance, purification, acceptation. D'accord? Donc là, c'est bien ce que je vous dis. Pour moi, depuis cet automne, hein, depuis cet automne, il y en a qui sont dans une aventure, dans un devoir, d'accord? Voilà. Et tout ça, c'est pour nous faire renaître, d'accord? Pour qu'on puisse revivre. Mais voilà, on a le champignon, d'accord? Donc, il faut de la patience. Il faut persévérer. Ça, c'est en cours, mais ça y va lentement. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, puis tout ce que tu racontes, c'est de la merde, mais ça, je viendrai vous en parler après. On va se concentrer sur nos cartes. Alors, le conseil. Voilà, il y a le lièvre, transformation, indépendance, liberté, rapidité. N'oubliez pas les cartes qui sont tombées, nettoyage, d'accord? Voilà. On a le ciseau, utile, rupture, inspiration. Donc, c'est quelque chose qui est utile, notre liberté, d'accord? Voilà. Mais pour ça, il faut faire tomber, voilà, vous savez. Alors, le futur proche. Voilà, on a la balance. Donc, la justice, d'accord? Les lois qui vont venir tout équilibrer. Pour, regardez, une nouvelle vie. Mais il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. D'accord? Ça, c'est très important. On va avoir une occasion, en tout cas, de rentrer dans une nouvelle vie. Cet été, regardez, l'ITA, été, rêvé. Récolter abondance, d'accord? Ça ira mieux cet été. Alors, je vais vous dire pourquoi, moi, après. Voilà, vous voyez, il y a la fiole, c'est repos, poison, sortilège. En fait, vous savez que la fiole, normalement, ça représente la picouse, hein, mais ça peut représenter aussi
c'est sataniste, d'accord? Voilà. Il faut qu'on arrive à les mettre au repos, d'accord? Parce que c'est eux qui font des choses malsaintes sur nous, d'accord? Avec leur sortilège. Et voilà, on a la lanterne, guidance, abri, chaleur. Donc moi, là, d'après ce que je comprends, d'accord, voilà, il faut encore un peu de patience, d'accord? Il faut vraiment qu'on nettoie, vous voyez, avec les conseils. Pour transformer, il faut couper, d'accord? Donc, il faut nettoyer. Surtout qu'on a sorti la carte de nettoyage dans la coupe. La justice s'en mêle. Pour qu'on ait une nouvelle vie, d'accord? Mais il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. Le nettoyage, voilà, sera terminé. Et je vous avais dit, souvenez-vous, que fin mars, début avril, il y avait quelque chose qui allait se terminer. D'accord? Moi, j'ai vu les masques. Alors, c'est possible avec la justice. Donc, voilà. D'ici le début d'été, c'est satanique, là, poubelle. D'accord? Mais pour faire ce nettoyage, on a l'abri, d'accord? Donc, on va nous mettre à l'abri. Voilà ce que je vois. Maintenant, on va prendre le tarot des Égyptiens et on va demander, tarot des Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire demain? Donc, il y a une carte qui est volée, je la prends. Le roi de deniers, industriel, banquier, commerce, homme brun. Voilà, bon. Donc déjà, ils vont nous parler de tout ça, d'accord? Alors, ils vont nous mettre ça par rapport à ce bateau. Ils vont dire, ouais, les commerces, gna gna gna, voilà. Alors, on va les tirer et je vais vous les donner après. D'accord? Voilà. Alors, on a l'as d'épée. Grossesse, bonne récolte, obstacle surmonté. Voilà. Donc, si vous voulez, on est arrivé à surmonter des obstacles déjà, d'accord? Mais il y en a encore qui sont en cours. On a le valet de denier. Générosité, dépense, mauvaise fréquentation. En fait, ils ont trop dépensé de sous et tout ça, et on va nous dire encore que c'est notre faute. On a l'habitude, c'est toujours comme ça. On a le 3 d'épée. Éloignement, absence, séparation, rupture. Voilà. Mais ça, ils vont pas nous le dire. D'accord? Par contre, moi, je vous dis, en tirant ces cartes, et je le vois très bien, c'est que on n'a plus de gouvernement, c'est l'armée qui a pris la relève. D'où, d'accord, générosité. On a le 2 de coupe. Désir non partagé, jalousie. Donc pour moi, vous avez bien compris hein, qu'avec le 3 d'épée ici, eh bien écoutez, attendez-vous demain à être confiné. Alors, sur la grossesse, bonne récolte et obstacles surmontés, on a le valet d'épée, imprudence, imprévu, maladie. Donc, il y a des choses qui sont en cours par rapport à cette maladie. Ils ont été imprudents, d'accord? Voilà. Ils ont voulu aller trop loin hein, dans les dépenses. Sur le valet de denier, donc générosité, dépendance, mauvaise fréquentation, on a le valet de coupe. Désir, séduction, distraction. Bon, ils ont été distraits, d'accord, voilà. Et ils y sont allés par
La séduction. C'est facile de frotter la manche, mais il faut être correct dans ses baskets. D'accord? Ici, on a le 3 d'épée. Donc, éloignement, absence, séparation, rupture. D'accord? Dessus, on sort. Espoir, projet, présage, aide. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis. On va être confiné, mais cette fois-ci par l'armée. Alors maintenant, je ne vous dis pas que c'est l'armée qui va venir à la télé vous dire qu'on est confiné. Non, 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 non. Par contre, les autres n'ont plus aucun pouvoir, d'accord? Et ils vont dire ce que l'armée dit. Mais il va falloir respecter ce confinement, c'est pour vous protéger, ne l'oubliez pas. Sur le 2 de coupe, désir non partagé, jalousie, on a la tempérance. Le père, le prêtre et l'instruction. D'accord? Donc, la tempérance, pour moi, c'est l'armée. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire demain? On a la justice. Regardez, la justice en conclusion. D'accord? Justice morale, paix, prudence. Donc vous voyez, voilà, la justice est en train de faire son travail, mais c'est les tribunaux de l'armée, d'accord? Voilà. Et pour avoir la paix, eh ben, il va falloir y aller prudemment, d'accord? Et on a vu tout à l'heure avec le Just Be qu'il va falloir un peu de patience. Moi, je vous dis, c'est le dernier confinement, mais là, on va être confiné. Cavalier de deniers, avantage, succès, patience et don. Vous voyez, voilà. La justice, ça demande un peu de patience, mais ils ont les capacités. Ils ont des avantages. D'accord? Et il y a le succès. Hein. Et là, on a le cavalier de bâton à l'envers. Désaccord, rupture. Progrès réduit à néant et des querelles. D'accord? Donc, bah, eux, ils ne vont pas être d'accord avec la justice, hein, d'accord? Mais ça, bien sûr, quand on a des choses à se reprocher, on n'est jamais d'accord avec la justice. Comme par hasard. Voilà. Alors, je vais prendre mon jeu. Donc, ça, je vais les enlever parce que c'est les continents. Voilà. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va nous annoncer demain? Regardez, l'homme âgé, 60 ans et plus, cheveux gris blanc. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer demain? Ouf, il y en a beaucoup, hein. Les oiseaux, les nouvelles par courrier, Internet, voilà, communication. Donc, demain. Voilà, bah, ils vont faire une allocution, donc on sait très bien hein, que c'est par la télé, donc voilà. Mais il y a l'homme âgé, hein, d'accord? Et l'homme âgé, vous savez qui c'est? Pour moi, c'est Canard, d'accord? Et c'est lui qui est le chef des armées, hein, ok? Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire demain? Qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Bon, voilà. Il y a l'ennemi, d'accord? Donc, on va entendre parler de l'ennemi. Donc, on va certainement entendre parler de ce bateau, d'où ils vont nous inventer, vous avez vu, les commerces, patati patata. On a sorti cette carte, hein, d'accord? Voilà. Il va falloir avoir du courage, vous voyez, surmonter les obstacles. Donc, moi, je vous dis, hein, malheureusement, voilà. Mais sachez bien que tout ça, c'est l'univers qui nous l'envoie, d'accord? Donc c'est l'univers qui nous aide aussi. Et l'homme âgé, vous savez qui c'est Canard, voilà. Et Canard, c'est quelqu'un de très religieux, d'accord? Voilà. Et il est envoyé par l'univers, hein? Voilà. Et on a l'abondance. Donc l'univers, si vous voulez,
va nous confiner, hein, voilà, pour pouvoir, voilà, se libérer de lui. Hein. Vous voyez, aussi, on a la pie, d'accord? Donc, on nous vole notre liberté, on nous vole quelque chose. Hein. Donc, on va vers l'abondance, mais voilà, il faut encore avoir un peu de courage. Il va falloir être fort mentalement, d'accord? Alors, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Voilà. Il y a la méditation. Donc, il faut bien que vous examinez ce qui se passe, d'accord? Il va falloir réfléchir autrement. Vous projeter parce que, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se combiner. Vous voyez, regardez, il y a l'armée, voilà, ça va être leur mission, d'accord? L'engagement et la force. Alors, souvenez-vous que Pinocchio a toujours dit, on est en guerre. Oui, c'est vrai, on est en guerre, mais c'est une guerre silencieuse. Parce que vous savez que lui ne veut pas de guerre, d'accord? Donc, tout se passe en sous-marin. Mais ça se passe, d'accord? Voilà. Alors, mais vous voyez, l'armée, voilà, l'armée est là, d'accord? C'est eux qui vont prendre cette mission. Alors, il va encore y avoir des volcans, hein, voilà, tremblements de terre et des explosions, hein. Donc, vous savez qu'il y en a eu déjà. Vous savez où, hein, voilà, je ne parle pas trop. Donc, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer demain? Alors, il y a la guérison. Donc, on va vers quelque chose de mieux, d'accord? Mais il va falloir être fort et ambitieux. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous aussi, on sache ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Voilà. Alors, ils vont nous dire que pour la guérison aussi, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ben, ils sont désolés, hein, voilà, ils ont des remords. Ben oui, hein, parce que vous voyez, nous reconfiner, tout ça, donc ils vont nous frotter la manche. Hein, ils vont refaire le malheureux, d'accord? Mais ça, on sait, on a l'habitude. Qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Alors, les agriculteurs, donc ils vont peut-être parler des agriculteurs aussi, hein, voilà, parce que vous avez vu qu'à un endroit, là, ils ont manifesté et ils se sont pas laissés faire. D'ailleurs, bravo les agriculteurs. Mais vous voyez, voilà, on va vers le soleil, d'accord? Donc, il faut rester dans les énergies positif, d'accord? Il faut, comment vous dire? On a la réalisation de soi, d'accord? La clarté. Il faut être clair en nous-mêmes. Si on agit comme ça, on va au succès. Alors, on a Science Labo, d'accord? On a le jardin. Donc, amis fidèles. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'un laboratoire, hein, d'accord, qui va parler encore et qui va nous aider. Regardez, il va nous amener de la lumière, d'accord? Il va venir nous éclairer sur certaines choses. Vous voyez, il y a la clé, d'accord? Donc, on va trouver une solution. Il y aura des décisions à prendre, mais en tout cas, on va trouver une solution au problème. Et voilà, on a la décision. Là, je vous ai dit, fin de mois, début avril, il y a une chose qui va se terminer. Et bien, regardez, là, il y a la décision. Donc, il va falloir se bouger, d'accord? Voilà, il est temps de se bouger, hein? Prendre une décision pour notre avenir, d'accord? Voilà. Prendre conscience aussi de notre potentiel et
désobéir. Donc ça, ça va peut-être être quelqu'un d'un laboratoire qui va nous ouvrir les yeux, d'accord? Qui va nous ramener la lumière. Alors, j'ai sorti ce petit jeu. Là, je vais regarder. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Regardez, il y a la séparation, vous voyez, regardez. Moi, je vous dis, hein, ils ont plus la main, d'accord? Voilà, ils ont plus la main. C'est fini pour eux. Croyez-moi, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Voilà, regardez. Maison de campagne. D'accord? Donc, ils veulent encore nous séparer et nous laisser à la maison. D'accord? Mais c'est aussi pour le gouvernement. Il y a une séparation. Voilà, il faut attendre. Parce que vous voyez, là, ça chauffe. Vous voyez? Voilà. Mais là, je vous dis, hein, on arrive franchement à la fin. Celle-ci est retournée aussi. Voilà. Mais là, vous voyez, ils sont en train de jouer, en fait. Hein. Il y a le jeu. Alors. Qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Alors. On a l'homme jeune. Et le magnétisme. Donc, pour moi, c'est un jeune médecin. Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Voilà. Et regardez. C'est la fête, d'accord? Voilà. Alors, avant de faire la fête, je pense que on a le droit à Iti Maison, hein, d'accord? Voilà. Alors, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, d'accord? On mérite mieux sans... sans picouze, sans dossier à promener, d'accord, pour nous avoir le droit de sortir, ok. Alors, et on mérite mieux aussi que ces gens sataniques pour nous commander. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Qu'est-ce que le gouvernement va nous dire demain? Alors, bon. On va faire une coupe. Regardez, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, pour renaître, hein, d'accord, et pour aller vers l'abondance, eh ben, il va falloir se bouger, passer à l'action. Il va falloir avoir un but dans la vie, ok, et surtout arrêter de se faire manipuler. Il va falloir ouvrir ses yeux, d'accord, et se rendre disponible au changement. Et on a les mots. Donc, le succès va dépendre de votre état d'esprit positif, d'accord, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est pour ça que je vous dis toujours... Restez positif, parlez positif, d'accord? Ne dites pas oui, on va jamais y arriver. Non, c'est on va y arriver, d'accord?
C'est comme ça, on va y arriver. Et vous voyez, on a la non-résistance. Donc, ça ne sert à rien d'aller se battre. OK? C'est quelque chose qui va arriver logiquement. Ils ne sont pas dans leur droit. OK? Voilà. Donc, ils n'ont pas le droit de nous enfermer comme ça. Mais là, ils vont faire leur dernière erreur. Regardez, on va faire tomber les masques. D'accord? Regardez, c'est maîtrisé. D'accord? Les masques vont tomber. Voilà. Par contre, moi, je vous dis, hein, je revois un confinement. Alors, je ne suis pas sûre. Ça, faudrait que je fasse un tirage après. Ah, j'ai oublié de tirer les cartes de l'armée. Je ne suis pas sûre que toutes les écoles, par contre, seront fermées, voyez-vous? Ben oui, les enfants, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, ça va nous ramener du chagrin, d'accord? Oui, ben oui, si on est confiné, on va encore être énervé, ça va nous ramener du chagrin. Moi, pour moi, personnellement, ça ne me change pas, je ne sors pas, donc je m'en fiche. Alors, qu'est-ce que l'armée américaine fait? Regardez, on va avoir du chagrin, d'accord? Mais regardez, ils sont là pour nous libérer. Et regardez, voilà. Ils vont réussir, d'accord? C'est la victoire. Voilà. Alors, voilà ce que je peux vous dire, hein, ben, pour l'allocution, voilà, du 31. C'est demain, hein, voilà, on est le 30 aujourd'hui, donc c'est demain qu'ils doivent parler. Alors, ne comptez pas qu'ils vous disent la vérité, d'accord? C'est comme ce bateau. Je vous avais bien dit que vous n'aurez pas les infos par la télé, je l'avais dit, donc je le répète, vous pouvez regarder ma vidéo, voilà. Mais ça, on va en parler après, d'accord? Voilà, parce que là, la vidéo est déjà assez longue. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.